J'ai vraiment le grand plaisir parce que je pensais être un artiste, un grand dans la musique. Vous appelez Mignon Abraham, oui. C'est-à-dire que vous attirez si facilement les femmes. Hein? Alors, quel genre de femmes aimez-vous, Mignon Abraham? Intelligente, sage. Oui, sage. Litukoyon alambe la kaloswe. Elambe linga bolingo mubeswe. Sani aplasi kuti la kinga bolingo yi. Muta bolingo yi lika ki makasi tele kui. Na bolo yo. Na goze lo lilo. Oya, oya. Na goze lo lilo yo. Oya, oya. Na goze lo lilo. Naniango ayi belinga lituki. Bon. Merci. Bravo Mignon Abraham. Merci. Comme le dit votre nom, Mignon Abraham, même dans la voix aussi. J'ai entendu dire que vous avez aussi un album à vous. Exactement. Parlez-nous un peu de ça. Oui, j'ai eu l'opportunité. Mon président JB Pierre m'a donné la chance et l'opportunité de réaliser un album que j'ai intitulé Merci d'être toujours branché sur Vox Africa. Aujourd'hui, dans la rubrique Face à Face, nous recevons pour vous Mignon Abraham. Bonjour Mignon. Bonjour Déborah. Comment allez-vous? Ouais, très très bien, merveille. Là, ça a la forme? Oui, 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 ça. Tout va bien? Alors Mignon, dites-nous un peu, d'où vous vient ce nom de Mignon Abraham? Ouais, le nom de Mignon Abraham, de chez nous, on m'appelait Gaylor. Et le nom de Mignon Abraham est Gaylor Mignon. Le nom de Mignon Abraham, c'est mon président JB Piana qui m'a donné ce nom par rapport à son fils. Son fils, son premier fils s'appelle Abraham. Et quand j'ai intégré le groupe BCBG, il m'a donné ce nom Mignon Abraham. Mignon Boubatsa, comment Mignon? Ça dit comment on a Mignon et Outawa? Allez, et puis, souverain Bina dans ma personne à combo Abraham et comme Mignon Abraham. Ah, c'est une bonne chose ça. Ouais, ouais. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours musical. J'étais d'abord choriste dans une église à Brazzaville, et dans une chorale qui s'appelait Kumara. Et puis, j'ai commencé à faire la musique vers Kisenso. Il y a un grand frère qui s'appelait Tembo Bafle. Et il m'a pris, il m'a amené dans son orchestre. Et puis, c'est ça mon parcours. Et puis, je suis passé chez mon vieux Dick Herod et BCBG. Moi, je crois que Moto, faux Azala, il est faux à naturel. Moni, Ngaï, Lilo, na Lakisi Oyezanga. Lakisi Oyezanga, c'est-à-dire, na Yoki Sonite. À quoi énumérer où ils a parcours nangai. Comme nangai, papa n'est pas George. À quoi le penser nanda ku nangai oyo. Nanda ku oyo. Nanda ku oyo kaka awa. Nzema nangai, nasa nangai sigoyo. Le tongin da ku sigoyo. Chambre na yango. Mon grand père et quand étant au petit Tokimi guerre à Brazzaville, et on s'est réfugié ici. Donc parce que mon père n'avait pas acheté une maison ici, et moi j'habitais ici. Et puis j'ai commencé à faire vraiment la musique. Et on a commencé à faire la musique. Tembo Bafle. Il y a un mouvement mené de côté Zagi en ascendant la musique. Avec tout baby baby. À le temps où Nayoki est pénal à sentir pénal que Azapenga, mais qui au petit les guitro, donc bah un jour, petit mouké pénal, mais Azoy m'a vrai pénal vrai. Bon, on a dit bon, en tout cas, il faut aller à Kabareb, donc bon, ça rana les tanti, à Kola, pour aller ben déjà recouter la gamme, et le gars on a l'accès qui est qui non, ah ouais, faut qu'il taboue, faut matabou. Il faut que tu aies une voix. Il faut que tu aies une voix.
tu dois nous travailler. Na. D'accord. Alors, disons que de Brazzaville à Kinshasa. Voilà, de Brazzaville à Kinshasa. À Brazzaville, j'étais chez la grand-mère. On l'appelait au maman Tchitchi Mariam. Oui. Son orchestre était façonnable, maman africaine. C'était une façon d'une maman africaine de jouer sa musique. Oui. Mmh. Alors, Abraham, quel sentiment avez-vous aujourd'hui d'être mignon Abraham en regardant votre passé? Ouais, ouais. Je ne croyais pas que je peux être comme ça. J'ai vraiment le plaisir d'être à côté des papas chéris, d'être appelé Mignon Abraham parce que je pensais être un artiste, un grand dans la musique congolaise. Donc j'ai vraiment, je manque même des mots à dire. C'est pour ça que je disais dans ma chanson Code Moral, que l'homme à la recherche de ses propres limites se connaîtra lui-même, mais lorsqu'il connaîtra toutes choses. Donc il faut travailler pour gagner sa vie. C'est pour ça que je disais, je me suis cédé le rang de faire un réalisme sur la vie. Et j'avais vite compris que dans la vie, aller haut et bas. C'est pour ça, dans cette chanson, j'ai invité des gens à s'investir aux grands valeurs durables. Ah, est-ce que tu as venu à un peu ici on a outil kuna na longue kuna monique pour nos bêtes à peine à barre pour nos cocati pour n'a pas tant que ça voilà la police on a la masse à la photo beaucoup lié ce qu'on a pas pamboli à l'aide moi mon sala ouais n'a pas son agarati souka bonjour ça va bonjour maman ça va bonjour bonjour on a fanda ouais vous avez le pango n'a zao fanda pas tant de temps à qui attend à l'ongue kuna mais qui a mais que vanda va de la côte et pendant la société bah accepter un comme frère na bango batutu bas au ligne à mingi vraiment. D'accord, je peux vous poser une question un peu plus privée? Oui. Vous appelez Mignon Abraham, oui. C'est-à-dire que vous attirez si facilement les femmes. Hein? Alors, quel genre de femmes aimez-vous, Mignon Abraham? Intelligente, sage. Sage, d'accord. Plusieurs personnes rêvent d'être dans BCBG. Dites-nous un peu, comment vous avez fait pour intégrer ces groupes? Oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé pour... Il y a une chanson que j'ai chantée dans l'album précédent du groupe PCBG, que j'ai intitulé Code Moral. Je disais que l'homme à la recherche de ses propres limites se contra lui-même lorsqu'il contra toute chose. Donc j'ai beaucoup bossé, je travaille pour arriver là où je suis. J'ai vraiment travaillé pour intégrer le groupe PCBG. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc il faut travailler pour gagner sa vie. Non, moi, je crois que le projet d'avenir d'être un grand dans la musique congolaise, c'est ça. Alors, que pensez-vous de la musique congolaise? Je crois que la musique congolaise, l'ancienne musique congolaise de Papa Wendo, oui. Papa Franco, de Papa Wemba, oui. Et notre musique actuelle, je crois que l'ancienne musique instruisait le jeune, instruisait les gens. Ce n'est pas pareil que la musique d'aujourd'hui. Et puis, certainement, on avait eu une petite transition dans la musique congolaise, une transition des insultes, oui, des rancunes. Oui. Voilà. C'est ça qui a mené notre musique à la ruine. Moi, je crois que... Nos leaders doivent prendre conscience à cette affaire et prendre ces problèmes de mettre sur la table. Ils doivent vraiment débattre ça. Parce que notre musique est vraiment forte. Les artistes africains s'inspirent de notre musique. Et on doit vraiment remettre les pendules à l'heure. Alors, pensez-vous que vous, Mignon Abraham, pouvez apporter quelque chose de nouveau? Ou pour ne pas dire changer cette musique? Oui, je crois que petit à petit, je vais essayer de changer de mon côté. Pouvez-vous nous faire un petit a cappella pour faire plaisir aux téléspectateurs qui nous suivent? Oui. Litukoy on a lambela kaloswe. Elambelinga bolingo mobeswe.
ça n'est pas si côté la kinga bolingo yi mota bolingo le kaki makasi tele kui na bolo yo na vos lo lilo oya oya na vos lo lilo yo oya oya na vos lo lilo e na nyango ai belina lituki akumyango na bomashi litukaranga. Bravo. Oui, merci. Bravo, Mignon Abraham. Merci. Comme le dit votre nom, Mignon Abraham, oui. Même dans la voix aussi. Oui, merci. Merci. Alors, que conseillerez-vous aux jeunes qui veulent devenir comme Mignon Abraham? Ouais, moi, je crois que ils doivent travailler. Et moi, Mignon Abraham, je n'ai plus honte de d'énumérer mon parcours. C'est le travail qui prime une personne, c'est le travail qui peut t'impliquer dans la société. Je crois que c'est ça. Mignon, oui. Aujourd'hui une star, comment ça s'est fait vous? Comment pensez-vous que ça a été par le travail que vous êtes devenu comme ça ou c'est une chance? Moi je crois que c'est d'abord la chance. Et le travail. Mais ce qui est important, c'est dans la vie d'une personne ou d'un artiste, c'est le travail. Parce que la chance est bonne, mais c'est quelque chose de peut-être valeur devant un travail bien fait. Et puis, c'est ça, je crois que c'est ça. D'accord, ok. Et l'album, comment ça se présente? Notre album, justement, on est en studio. On est en train de préparer notre album du groupe BCBG, oui, qui est Balle de match. Et j'ai une chanson dans l'album. Je vais encore interpréter une chanson. Et voilà. On est dans Afrobuzz. On a entendu dire que vous avez aussi un album, oui, à vous. Exactement. Parlez-nous un peu de ça. Oui, j'ai eu l'opportunité. Mon président JB Pierre m'a donné la chance et l'opportunité de réaliser un album que j'ai intitulé Passe en or. Combien de titres dans cet album? 10 titres. Passe en or, donc c'est une opportunité. Je crois qu'une opportunité manquée, c'est un avenir hypothéqué. Je dois saisir l'occasion lorsque ça se présente. Ça, c'est vrai. Alors, je veux vous demander de faire une chose. Regardez la caméra, oui, et dites un mot à votre président, JB Mpiana, qui vous regarde en ce moment. Oui, je crois que je vais enlever mes lunettes. Je dis un mot à mon président qui est JB Mpiana, Salvatore de la Patria Moto Pamba. Et mon président, merci. Merci d'avoir, pour quelqu'un qui est moi, de là où j'étais et de me mettre là où je suis. Merci de me faire un artiste complet. Et donc je crois que je ne veux pas te décevoir. Je vais te faire des grande surprise, tu ne seras pas déçu et je vous dois un respect immense et compassible. Merci. Okay. Merci Abraham.